Jean-Baptiste Sipa était le doyen des journalistes en activité. Et le 2 mai 2019, il était à Yaoundé avec le SNGC pour une formation sur le rapport de la presse à la démocratie. Et ce jour-là, nous lui avons réservé une standing ovation. Les jeunes qui étaient à Yaoundé ont pu savoir qui était Jean-Baptiste Sipa. C'est avec beaucoup d'émotion, que beaucoup de douleur, qu'on a appris la nouvelle de sa disparition. Et qu'à cela ne tienne, le SNGC fait partie des 3 composantes du comité d'organisation. Le volet mobilisation des médias nous a été confié par la famille, par le comité d'organisation. Et le SNGC va mobiliser les journalistes à travers le Cameroun pour célébrer Jean-Baptiste Sipa. Nous ne sommes pas à l'heure des pleurs parce qu'il a fait son temps. Il a donné tout ce qu'il avait à donner à la presse. Il a donné beaucoup à la presse. Et pour cela, on va emprunter à Antoine de Saint-Exupéry pour dire que pour tous les services qu'il a rendus à la corporation, à son pays, il le mérite, car son deuil, beaucoup de journalistes viennent pour prier et non pour pleurer.